Django avait dans l'idée de fusionner le jazz avec la musique de son époque, la valse musette et la musique tzigane. C'est de cette façon que Django en vient à créer le jazz manouche, cette musique rythmée très proche du swing américain où l'improvisation est au premier plan. En plus de nous avoir laissé une histoire très riche et inspirante, Django nous a laissé d'abord et avant tout un style de musique, une culture à part entière. Comme beaucoup, nous sommes passionnés de ce style et avons décidé de créer le groupe Chama Django. Chamajo a commencé dans un jam à Montréal, quand Charles et moi on s'est rencontrés. Disons qu'on n'a vraiment pas arrêté de jouer ensemble depuis et finalement on a décidé de créer un projet. Chamajo, c'est d'abord un groupe de musique, de composition et d'arrangement, mais c'est aussi un collectif musical qui va nous permettre de jouer avec des musiciens d'un peu partout dans le monde. On a maintenant une caméra, un studio portable, donc qu'on soit à Montréal, à Prague ou... Ou même à Istanbul, on peut mettre des vidéos en ligne et permettre aux gens de nous suivre peu importe où on est. Donc, ce qui s'en vient pour Chama Django, c'est notre nouvel album qui devrait être lancé dès la mi-décembre. Ensuite, c'est la tournée européenne qui commence en janvier 2013. Une tournée qui va nous amener de la France à la Turquie, en passant par l'Allemagne, le Danemark et l'Angleterre. On a comme mission de faire des vidéos de façon hebdomadaire et de mettre en ligne le plus de matériel que possible. On vous invite donc à nous suivre sur notre site web chamajango.com ou encore sur notre page Facebook afin d'être au courant de nos prochains spectacles.